avant de jouer dans Loon, j'avais eu l'occasion d'écouter leur démo et je trouvais que c'était, enfin, il y avait vraiment des choses intéressantes qui émergeaient, quoi, c'était pas du black metal classique. Il commençait à y avoir une ouverture, enfin, on sentait que les musiciens dans le groupe ne devaient pas écouter que du black, et c'est ce que j'ai trouvé intéressant. Après, quand ils m'ont proposé de venir au chant, bah, j'ai réécouté. C'est Loki qui gère quand même, qui a la basse de Loon, et c'était son projet solo, hein, donc je lui ai dit, je veux pas dénaturer ce qui était ton projet solo, et je m'étais dit que garder un chant black classique avec une musique super ouverte qui n'était pas classée dans le black metal, voilà. Donc il y avait quand même quelques titres anciens, mais qu'ils avaient un petit peu réarrangé, et ils m'ont fait écouter les morceaux d'Ancodriser. Du coup, bon, les titres étaient, je les ai trouvés super bien construits, avec des mélodies top. Et puis, quand j'ai écouté les titres, j'avais l'impression d'entendre du Burzum, enfin des influences Burzum, vraiment sans plagiat, quoi, de quelque chose d'original, mais avec une bonne influence de Burzum. Mais j'entendais du Pink Floyd, j'entendais du Stoner, enfin des. Je me suis dit, merde, c'est un groupe qui est super, super éclectique. Je me suis dit, bon, on va essayer, quoi. Décomposé, qui pourrait se détendre et le temps, il a pris le temps.
Et non.